Salut à tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être une vidéo explicative de l'absence sur la chaîne de deux vidéos depuis à peu près un mois quasiment, la dernière vidéo qui a été uploadée. Et puis aussi pour vous faire quelques petites annonces qui devraient arriver. Donc déjà je peux vous dire que là je vais vous mettre un petit gameplay sur Battlefield 3 sur Xbox 360 pendant que je parle. J'espère que de ne pas vous mettre une image fixe super chiante, complètement à mourir et que vous n'ayez pas envie de continuer à regarder. Et donc j'en viens déjà au premier point. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur la chaîne depuis quasiment un mois, alors que pourtant le nombre d'abonnés a continué à légèrement augmenter, même s'il y a eu quelques petites baisses et augmentations. Ça a un petit peu augmenté, on a 90 abonnés à l'heure où je vous fais cette annonce, et j'en suis très content. J'espère que nous atteindrons bientôt les 100 abonnés pour pouvoir faire une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle il va falloir que je réfléchisse. Et première raison pour laquelle j'ai été absent sur la chaîne, c'est tout simplement que ma connexion a eu, donc il y a maintenant 4 semaines, énormément de problèmes, et les problèmes ont duré très très longtemps, ce qui fait que même hors vidéo, je ne pouvais presque rien faire sur internet, que ce soit, donc même des fois j'avais la connexion complètement coupée, ou alors elle laguait tellement que je ne pouvais pas jouer convenablement à n'importe quel jeu qui se joue en ligne, que ce soit sur le PC ou sur la Xbox. J'ai eu des lags phénoménaux sur Battlefield 3, j'ai presque failli d'ailleurs filmer une partie complètement laguée en gameplay pour essayer de faire une vidéo un peu drôle de Battlefield full lag. Ce que j'ai pas fait, mais ce qui pourra certainement revenir, hein, c'est à mon avis, ma connexion n'est certainement pas à l'abri de ça. Deuxième raison pour laquelle je ne vous ai pas fait d'autres vidéos, puisque pour le moment, mis à part Crusader Kings 2, qui est une série qui se déroule sur PC, les deux autres séries que je vous fais actuellement, vous le savez pertinemment, c'est Assassin's Creed et Watch Dogs. Ces deux jeux, je les fais sur Xbox 360. Le problème, c'est que il y a quelques temps, j'ai cassé mon casque. Rapidement, je vous cite pas le modèle exact, mais c'était un Triton. Voilà, j'avais un casque Triton que je m'étais acheté pour pouvoir jouer sur la Xbox et m'enregistrer la voix sur le PC pendant que je vous faisais les épisodes de ces deux séries-là. Malheureusement, je l'ai cassé en deux. Il s'est cassé en deux. Il restait encore la seule chose qui pouvait maintenir les deux parties, c'était le fil des haut-parleurs des deux côtés du casque. Je l'ai très récemment, il y a un ou deux jours, essayé de le rafistoler. Il est encore très fragile, mais je l'ai rafistolé, donc je pourrais me remettre à faire des vidéos avec le casque, puisque j'enregistrais aussi sur le PC, j'utilisais aussi ce casque. Donc voilà, c'est les gros problèmes de connexion internet, voire coupure même de quelques jours des fois, et donc après problème de connexion très ralentie qui me disait qu'il me fallait 24 heures presque pour upload une vidéo de 20 minutes de Crusader Kings 2, ce qui me prend normalement 5 à 6 heures par exemple. C'est juste du grand délire. Donc ça a entraîné chez moi une petite démotivation tout d'abord, et puis après donc le fait de la casse de mon casque qui m'a empêché un petit peu, enfin même pas un petit peu, mais qui m'a empêché aussi de pouvoir recommencer à filmer, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de pouvoir vous réparer mon casque ou en racheter un autre pour pouvoir recommencer à filmer sur la Xbox, parce que c'est surtout sur la Xbox que je l'utilisais. Je l'utilisais aussi sur PC tant qu'à faire pour avoir un meilleur micro, mais c'était surtout pour éviter d'avoir un écho entre le son du jeu qui est enregistré déjà par mon acquisiteur vidéo sur la console, et en plus le son de ma voix enregistré sur le PC. C'était pour éviter d'avoir des échos, comme ça j'avais le son du jeu sur mon casque et pas sur ma télé, qui pouvait engendrer sur par exemple déjà mon let's play sur Tomb Raider, où je pouvais avoir des échos
si je ne me calais pas très bien la voix avec le jeu, on pouvait des fois s'apercevoir de légers échos, surtout dans les premiers épisodes. Alors, il fallait que je baisse très fortement le son de ma télé. Mais enfin bref. Donc voilà, explication du pourquoi de cette absence. J'en suis le premier navré. Je n'ai clairement pas abandonné l'idée de faire des vidéos. Je compte finir Assassin's Creed. Watch Dogs, je compte y jouer, y rejouer, le continuer aussi. J'ai actuellement deux autres épisodes qui sont près de Watch Dogs. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous les uploader du fait que ma connexion a encore du mal. J'espère le plus rapidement possible. Et sinon, je n'ai pas continué, je n'ai pas rejoué à Watch Dogs depuis la dernière séance de tournage que j'ai fait dessus. Même chose pour Assassin's Creed, donc je ne sais pas la suite. Crusader Kings, je ne l'ai pas continué non plus, comme je vous ai dit, ça m'a quand même démotivé, hein. J'aurais pu continuer Crusader Kings, peut-être sans mon casque, mais bon, ça n'aurait pas été pareil. Et puis voilà, la motivation qui a perdu un petit peu, le boulot, ma vie à côté quand même, hein, qui m'a pris pas mal de temps aussi et pas mal d'énergie, et qu'il fallait que je pense à pas mal de choses. Mais ça, pareil, vous vous en foutez un peu. Sinon, donc voilà, ça c'était vraiment l'explication du pourquoi plus de vidéos. Après, je dois déjà vous faire une annonce, c'est que là, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, ça y est, on est au mois de juillet, ça sent bon les vacances d'été, même s'il ne fait pas forcément très beau tous les jours et partout en France. Ça sent bon les vacances d'été et le fait est que je pars en vacances le 6 juillet. Donc à partir du 6 juillet, je ne serai pas disponible sur la chaîne. Après, peut-être pour répondre à quelques commentaires ou autres via mon téléphone, via mon smartphone. Ça pourrait être possible, mais sinon, à moins que je vous planifie d'ici ces 5 prochains jours 2-3 vidéos, enfin quelques vidéos, mais ça je ne vous le garantis pas du tout, que je fasse quelques vidéos très rapidement, que je vous les upload très rapidement et qu'en fait je vous les mette en planifié durant le mois de juillet. Alors ça sera très certainement à base de une vidéo par semaine et encore, je répète, je ne garantis pas qu'il y aura des vidéos pendant le mois de juillet. Je pars 3 semaines à partir du 6 juillet. Je ne garantis pas qu'il y a de vidéos pendant que je serai sur ma période de vacances. Je serai de retour le 27 juillet tard. Donc on va dire que mon retour sur la chaîne sera réellement le 28. Et après le temps de tourner et pouvoir uploader une vidéo, il n'y aura peut-être pas non plus de vidéos le 28 juillet. Donc que ce soit bien clair, la chaîne n'est pas abandonnée. J'ai été absent 4 bonnes semaines à cause de ma connexion et de mon casque qui a pété. Je vous promets, je serai de retour au mois d'août, c'est sûr. Peut-être des vidéos au mois de juillet pendant mes vacances que je vous aurais planifiées, mais si, je répète encore, c'est un peut-être. Ce n'est pas sûr, je ne vous le garantis pas. Je ne me permets pas ça alors que je n'en suis pas certain alors que je vous fais cette annonce. Et ensuite, je vais partir sur une autre annonce, alors que sans tout vous dévoiler, une autre des raisons pour lesquelles je n'étais pas là et que je me suis un peu moins centré sur la chaîne, en plus de la démotivation et de la connexion, c'est que je me suis lancé dans un projet qui a un rapport avec la chaîne, plus ou moins directement. Et je veux, avant de vous parler concrètement de ce projet, qu'il soit un peu mieux finalisé, surtout un peu mieux organisé, surtout parce que d'une certaine manière il est finalisé, mais il est mal organisé. Je ne suis pas tout seul sur ce projet, loin de là. Donc il faut que je revoie avec les autres personnes qui doivent faire ce projet avec moi au niveau de l'organisation pour qu'on puisse réellement le lancer. Donc ça c'est pareil, ça prend du temps. Je vais commencer aussi à voir certaines choses, moi de mon côté, pour ce qui est montage, mais plus de l'ordre de montage intro et puis pourquoi pas de touches d'image, de retouches d'image et de création d'image pour la chaîne, une création peut-être d'une nouvelle intro pour la chaîne, et ça viendra sur le mois d'août, mois de septembre, que je me pencherai dessus. Donc ça arrivera même sûrement encore après le travail fini,
Mais voilà, je vais aussi essayer de me pencher à regarder des tutoriels, à utiliser des logiciels pour faire une nouvelle intro, pour faire de nouvelles, une nouvelle image, un nouveau fond d'écran, enfin une nouvelle bannière pour la chaîne. Pour ce qui est d'Isidore, qui pourrait normalement vous mettre des vidéos, je dirais que comme moi je ne suis plus très, je n'en faisais plus dernièrement, que je ne lui en parlais plus spécialement du fait de ma connexion, même je ne lui parle pas énormément en ce moment et je ne joue pas énormément avec lui hors caméra non plus. Il a fini son année, ses examens ne sont pas encore réellement finis et il part exactement les 3 mêmes semaines que moi en vacances déjà au mois de juillet, ça c'est sûr. Il me semble qu'il repart au mois d'août, mais je ne suis pas sûr, mais au mois de juillet on part sur les mêmes dates. Donc il pourrait vous refaire des vidéos peut-être, mais là comme je vous l'ai dit, il n'a pas réellement fini ses examens. Donc il n'y pense pas forcément non plus, il n'a pas forcément le temps. Sur le mois d'août, j'espère qu'il va s'y remettre lui aussi et vous en donner. Et puis après continuer après sur septembre, etc. De façon plus ponctuelle que moi sûrement, parce qu'avec ses études, il peut pas continuer, il peut pas en faire aussi souvent que moi, comme je faisais dernièrement jusqu'à ce que je m'arrête, il y a 4 semaines. Sinon voilà. Donc projet et en parallèle et en association avec ce projet qu'on devrait avoir, je disais je vais faire une nouvelle intro aussi que j'ai en projet à faire, parce que notre intro pas forcément des meilleures et j'ai une idée d'intro mais il va falloir que je bosse pas mal dessus pour espérer la réaliser parce que ça risque d'être très compliqué. Ça nous permettra aussi d'avoir une autre musique parce que Isidore lui s'est mis à faire des musiques de son côté en temps libre et donc normalement il devrait nous faire une musique d'intro, donc notre propre musique d'intro et ne pas aller récupérer une musique de quelqu'un, même si c'était une musique libre de droit, hein, une musique de Kinset, je crois que je l'avais sur la vidéo où c'est justement que l'intro actuelle, j'avais précisé normalement que ça venait de lui et j'avais dû mettre un lien. Enfin, si je me trompe pas, j'irai vérifier, si c'est pas fait, je le ferai. Et donc un projet, sans vous en parler plus que ça, si Isidore reprend les vidéos, c'est tant mieux. Sinon, je risquerais donc au retour du mois de juillet, août, et puis pour tout le temps après, peut-être que je serai de nouveau le seul à vous mettre des vidéos sur la chaîne et à gérer la chaîne. Dans ce cas-là, normalement, il est prévu de manière associée avec le projet dont je ne veux pas trop vous en parler, je devrais avoir, nous devrions. Je vais continuer à employer le pluriel, puisque Isidore normalement n'a pas complètement laissé la chaîne. Nous devrions avoir une troisième personne qui nous rejoindra sur la chaîne, qui fera des vidéos complètement différentes. On va faire des vidéos sur PS3 en plus, donc une autre console. Mais même chose, je ne vous en parle pas plus, je sais que la personne est d'accord, il faut juste qu'on s'organise pour comment il va arriver sur la chaîne. Et normalement, on voudrait vous faire une vraie vidéo. Pour faire l'annonce de son arrivée sur la chaîne. Donc, eh bien, écoutez, sur ce, je ne vais pas éterniser cette vidéo plus longtemps. Ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis en train de vous expliquer pourquoi j'étais pas là et que j'ai quelques projets en tête dont je vous parlerai. C'est très certainement au mois d'août, voire septembre. Si je vous en parle pas sur le mois d'août, ça devrait se faire sur le mois de septembre. Donc, eh bien écoutez, voilà, j'écourte cette vidéo. Je souhaite une bonne vacance à tous ceux qui sont déjà en vacances, de bonnes vacances à tous ceux qui seront bientôt en vacances. Je sais que souvent les cours s'arrêtent là le 4 juillet, pour beaucoup d'entre vous sûrement. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances. J'espère que vous allez pouvoir partir en vacances, profiter de ces vacances, vous reposer. Et puis, bah, écoutez, moi je vous donne rendez-vous à une prochaine. À partir donc du 28 juillet, je serai de retour. Et encore une fois, je ne vous garantis pas qu'il y aura des vidéos durant le mois de juillet. Allez, salut à tous et à la prochaine sur Guys Gamer TV.